wabarakatuh. Aujourd'hui, nous allons traiter un sujet qui est la cause principale des moqueries et des critiques gravissimes que notre prophète et notre religion ont subies durant des siècles. Il s'agit des mensonges dont sont pleins les hadiths sur le prophète et sur sa sunna et qui sont toujours présents dans les recueils de hadiths. Pour dire la vérité, même lorsque je donnais des conférences ou des khutbah dans les sièges d'associations variées ici en Europe ou dans des salles de conférences universitaires toujours ici dans l'Europe, je n'optais pas facilement au recours au hadith. J'ai à la fois la version arabe de Sahih al-Bukhari et sa première traduction française. Mais curieusement, j'ai toujours été enclin à utiliser des versets du Coran et presque jamais de hadith. Et ce parce que j'ai toujours senti que la parole d'Allah était suffisante pour que je comprenne son message. Mon problème avec les sahih a commencé lorsque, pour la première fois au début des années 2000, j'ai été confronté à un hadith dans Sahih Muslim qui m'a profondément secoué et a réveillé mes doutes sur l'authenticité en général de ces hadiths. N'oublions pas que Muslim était un élève de Bukhari et qu'il fait partie des 6 livres qui sont les recueils clés des hadiths qui fondent la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le hadith en question est raconté par Sa'd al-Khudri, qui était l'un des plus jeunes compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Celui-ci est rapporté par Muslim dans son sahih, où le prophète aurait dit: n'écrivez pas sur moi, sinon le Coran, qui écrira autre chose que le Coran, il doit le supprimer. Hadith dans Sahih Muslim, dans Kitab Zuhd wa Raqa'iq. Le hadith est le numéro 5460 et il dit: Anna Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam qal, la taktubu anni. ومن كتب عني غير القرآن فليمحوه وحدث عني ولا حرج ومن كذب علي قال همام أحسبه قال متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. Ceci signifie clairement que le prophète a interdit à ses compagnons d'écrire sur lui des hadiths. Alors à ce point, une première question légitime pourrait être posée ou pourrait poser toute personne ayant un intellect sain. Pourquoi, malgré que Muslim a rapporté ce hadith comme étant authentique, il a lui-même enfreint ou violé l'ordre du prophète de ne pas écrire de hadith à son sujet en dehors du Coran? Comment pouvons-nous encore considérer authentique son recueil s'il y a ces grandes contradictions dans son livre? Qui peut garantir que le recueil de Muslim, qui nous est parvenu à ce jour, est le même que ce dernier aurait écrit il y a 12 siècles? Où serait son manuscrit dans ce cas-là, afin que l'on puisse garantir que le recueil de Sahih Muslim actuel est vraiment le même dans son contenu que l'original? Toutes ces questions sont a priori légitimes et nous obligent à procéder à une enquête approfondie sur ce sujet vraiment ardent. En partant de ces doutes, j'ai commencé à me dire que nous sommes ici face à une problématique très profonde et cela devait être clarifié, car ma responsabilité envers moi-même et envers mon prochain était énorme. J'ai donc décidé d'aller à tout prix jusqu'au bout de ma recherche. J'ai commencé à étudier et à approfondir d'abord dans les livres de hadith et d'histoire. Quel était le comportement des grands compagnons du prophète à cet égard, en ce qui concerne la légitimité d'écrire des hadiths malgré son interdiction de le faire? Je n'ai eu que des confirmations qui renforce l'interdiction du prophète à ses compagnons d'écrire des hadiths à son sujet. Il y a un hadith rapporté dans Musnad Ahmed ibn Hanbal
sur Abu Huraira, le plus grand narrateur de hadith du point de vue du nombre raconté. Nous lisons en celui-ci. Lorsque le prophète, c'est Abu Huraira qui raconte ici, que lorsque le prophète a su que ses compagnons écrivaient des hadiths à son sujet, il s'est irrité et leur a dit, un autre livre avec le livre d'Allah, purifiez le livre d'Allah et protégez-le de toute corruption. Et puis, Abu Huraira a continué et a dit, ensuite, nous avons rassemblé tout ce que nous avions écrit et nous l'avons mis dans un seul conteneur et nous l'avons brûlé. ينقل أحمد ابن حنبل من مسنده عن أبي هريرة أن النبي حين سمع منهم ما يكتبونه غضب وقال أكتاب غير كتاب الله أمحضوا كتاب الله وأخلصوه وقال أبو هريرة فجمعنا ما كتبناه في صعيد واحد ثم أحرقناه بالنار. Une autre observation importante à noter également ici. Si Abu Huraira a raconté vraiment ce hadith, comment se fait-il alors qu'il devienne le plus grand narrateur de hadith de l'histoire de l'islam? Comment devrions-nous considérer quelqu'un qui a enfreint les ordres directs de son prophète? Quelle crédibilité reste-t-elle au sujet d'Abu Huraira auprès de ceux qui ont un intellect sain? Comment ne pas douter de sa crédibilité si nous constatons même une seule fois qu'il a enfreint les ordres du prophète? Il y a un hadith de Aïcha, radiallahu anha, sur Abu Huraira, où elle le traite de menteur. Ce hadith est reporté dans le livre « L'abrégé de l'histoire de Damas » de Ibn Mandour. Le hadith raconte que deux hommes de la tribu de Banu Amr sont rentrés chez Aïcha et ils lui ont dit que Abu Huraira aurait raconté que le prophète avait dit que l'oiseau, la femme et le cheval restent dans la maison. Alors Aïcha s'est irritée lourdement et a dit « Mensonge, je le jure sur celui qui a fait descendre le Coran sur Abu Qasim, c'est-à-dire sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui ne l'a pas dit. Il avait dit plutôt ceci sur les gens de la Jahiliya. » C'est-à-dire, il a dit ce truc que les gens de la Jahiliya disaient ceci. Mais lui, il ne le disait pas. Il a raconté seulement ce que les gens de la Jahiliya disaient au sujet de la femme, de l'oiseau, des oiseaux et des chevaux. Selon Aïcha, radiallahu anha, Abu Huraira était donc un menteur. Je vous lis le hadith en langue arabe. رواية من الرسول ستة يتقدمهم جاء في مختصر تاريخ دمشق لابن منظور أن رجلين عن بني عامر دخل على عائشة فقال لها إن أبا هريرة يقول إن الطير في الدار والمرأة والفرس فغضبت من ذلك غضبا شديدا وقالت كذب والذي أنزل الفرقان على أبي القاسم ما قاله إنما قال كان أهل الجاهلية يتطيرون من ذلك. Notre hadith, cette fois-ci, sur le compagnon le plus rapproché du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il s'agit de Abu Bakr Siddiq, le premier calife après la mort du prophète, qui a brûlé durant son mandat tous ses hadiths sur le prophète. Ce qui confirme que l'interdiction d'écrire des hadiths sur le prophète n'a pas existé seulement durant son vivant, mais elle a continué même après sa mort. Aïcha radiallahu anha a dit dans le livre « Le rappel des mémorisateurs » Tadkiratul Huffaz de l'imam al-Dahabi que son père Abu Bakr avait collecté et écrit 500 hadiths sur le prophète. Puis après avoir passé une nuit troublée, en se réveillant, il a dit à sa fille Aïcha, « Ma fille, apporte-moi tous les hadiths écrits. J'ai fait ce qu'il m'a demandé. » Il les a ensuite ramassés, puis brûlés. Aïcha lui demanda alors, « Pourquoi tu les as brûlés ?» Il a répondu, « J'ai peur de mourir et ces hadiths encore en ma possession
et je crains qu'il y ait des hadiths que quelqu'un avait déposés chez moi et que je les ai authentifiés, avec la possibilité que certains d'entre eux ou tous soient faux. Alors, j'ai eu peur de devenir moi-même la personne responsable de la transmission de faux hadiths sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La preuve que ce conte d'Abou Bakr est vrai réside dans le fait qu'il était parmi les narrateurs qui a très peu de hadith sur le prophète, alors qu'il était un ami très proche de lui. Depuis le début de sa mission prophétique, il y a juste 12 hadiths dits d'Abou Bakr, contre les 5374 de Abou Huraira, qui s'était converti à l'islam seulement durant les 3 dernières années de vie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous trouverez le texte en arabe de ce hadith dans la description de cette vidéo. Même le calife Omar ibn al-Khattab, qui a voulu produire un recueil de hadith, avait fini par les brûler tous. Il raconte dans un hadith: j'ai donc rencontré les sahaba et je leur ai demandé conseil à cet égard. Tout le monde était d'accord avec ma proposition, c'est Omar qui parle. Mais après un mois, je suis retourné vers eux et j'ai dit: les gens parmi les gens du livre, avant vous, ils ont écrit en plus du livre de Dieu, un autre livre, et ils se sont répandus dessus et ont laissé de côté le livre de loi. Il se réfère ici au Talmud qui a remplacé la Torah. Les Juifs suivent à 95%, 95% le Talmud et ne suivent pas la Torah, ainsi que le Nouveau Testament, les lettres de Paul qui disent contrairement ce que dit Jésus, Isa alayhi salam, dans les évangiles. On verra ça plus tard. Alors, Omar continua, après avoir rappelé que les gens du livre se sont donnés à un livre inventé et ils ont délaissé le livre d'Allah, il dit: et je le jure devant Allah que je n'habillerai jamais le livre d'Allah avec autre chose. Et donc, il laissa de côté l'idée de rassembler les hadiths sur le prophète. Et il ne s'était pas arrêté ici, mais il a retiré tous les manuscrits de hadith qui lui ont été apportés pour consultation à sa demande et il les a brûlés. Non seulement cela, mais il a interdit le récit du hadith à Abu Huraira, à Ka'b al-Ahbar, à Ibn Mas'ud et à Abu Mas'ud al-Ansari. Il a ensuite emprisonné certains d'entre eux à cause de cela et ils sont restés en prison jusqu'à sa mort. Comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de récits sur l'interdiction d'écrire des hadiths à la fois durant le vivant du prophète et pendant la période de la Khilafah Rashida, c'est-à-dire des 4 premiers khalifs, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Outre toutes ces interdictions faites par les premiers califes, il y a une interdiction explicite venant directement d'Allah dans le Coran. Et nous la trouvons dans ce verset qui se trouve au chapitre 45, verset 6. Voici les versets d'Allah que nous vous récitons en toute vérité. En quel hadith et en quel autre verset croiront-ils en dehors d'Allah? Vous voyez, j'ai laissé ici le mot hadith, parce qu'en arabe il dit hadith, vous allez le voir, et si je l'avais traduit, les gens ne comprennent pas qu'il s'agit de hadith. Donc le verset dit: voici les versets d'Allah, que nous vous récitons en toute vérité. En quel hadith et en quel autre verset croiront-ils en dehors d'Allah? C'est-à-dire en dehors de ceux d'Allah, en dehors du hadith d'Allah et en dehors des versets d'Allah. Tilka ayatullahi natluha alayk bil haqq. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun hadith autre que le hadith d'Allah et de ces versets auxquels il faut croire. Donc c'est des versets très clairs, il nie tout autre écrit à suivre autre que le Coran. Le Coran est suffisant à lui-même, il est la seule source pour nous de légiférer et de connaître la volonté d'Allah. Ceci est confirmé par d'autres versets très clairs
qui ne laisse aucun doute. Coran chapitre 16, verset 89. Nous avons fait descendre sur toi le livre comme explication de toutes choses, guide et miséricorde, et bonne nouvelle pour les musulmans. نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. Quand Allah dit comme explication de toutes choses تبيانا لكل شيء, cela signifie qu'il n'y a pas d'autre révélation pour nous autre que les versets du Coran, ou ça signifie qu'il y a d'autres révélations autre que les versets du Coran. Vous de choisir la réponse juste. Qui aurait alors encore des doutes après avoir lu tous ces hadiths et ces versets d'Allah, et après les avoir eus sous ses yeux et constaté qu'ils interdisent clairement l'écriture de hadiths sur le prophète? Pensez-vous qu'Allah aurait eu du mal à nous dire que nous devons suivre également les hadiths s'il les a décrétés canoniques? Mais quelqu'un osera nous dire, malgré toutes ces preuves provenant des recueils de hadiths, qu'Allah nous a dit de suivre le prophète et donc nous sommes également obligés de suivre les hadiths. Il se justifierait avec les versets suivants. Premier verset, on le trouve dans le chapitre 4, du coup, verset 80. Quiconque obéit au messager, obéit à Allah. Et quant à ceux qui tournent le dos, nous ne t'avons pas envoyé en tant que leur tuteur. من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. Chapitre 33, verset 21. En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre. Pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Chapitre 3, verset 31. Dis au Mohammed, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. Coran chapitre 21, verset 107. Et nous ne t'avons envoyé comme miséricorde pour l'univers. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Notre réponse à ces gens-là et à ceux qui nous ont rapporté ici est simple et également très logique selon nous. Ces versets étaient adressés aux contemporains du prophète parce qu'ils étaient devant lui. Et il leur a révélé le Coran et leur a expliqué que les révélations lui parvenaient par l'ange Gabriel. Ils ont vécu la révélation en sa présence. Puis une fois le prophète mort, il est resté pour nous son message contenu dans les versets du Coran qu'Allah nous a révélé sans ambiguïté. C'est à nous de suivre ces versets et ainsi nous aurons donc également suivi le prophète qui était un Coran qui marchait sur ses pieds. Il était un Coran qui marchait sur ses pieds, a-t-elle dit Aïcha radiallahu anha. Lorsqu'on lui a demandé de décrire le comportement du prophète à ses compagnons, alors essayons de l'être nous aussi et n'associons pas le prophète à des intermédiaires, non que à Allah d'autres dieux, comme nous l'avons fait jusqu'à présent, sans nous en rendre compte. Ni Al-Bukhari, ni Muslim, ni Ibn Majah, ni l'imam Ahmed, ni Al-Tirmidhi, ni Ibn Daoud, ni Ibn Taymiyyah, ni aucun des érudits du passé ne seront responsables de nos erreurs si nous aurions suivi le mauvais hadith, comme il y en a des tonnes. Allah a chargé le prophète de nous réciter les versets du Coran et non les hadiths, pour nous faire sortir des ténèbres à la lumière. Coran chapitre 57, verset 9. C'est lui, Allah, qui fait descendre sur son serviteur, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, des versets clairs, afin qu'il vous fasse sortir des ténèbres à la lumière. Et assurément, Allah est compatissant envers vous et très miséricordieux.
والذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. Comme vous pouvez le voir, c'est à travers les versets que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam avait récité à ses compagnons qu'il les a fait sortir des ténèbres à la lumière, et non avec des hadiths. À nous aujourd'hui de suivre les versets du Coran pour sortir des ténèbres vers la lumière. Les hadiths sur le prophète ont été recueillis plus de 200 ans après sa mort, et personne ne peut nous garantir aujourd'hui que tous ces hadiths ont été prononcés ou faits par le prophète. Notre invitation n'est certainement pas d'abandonner complètement les hadiths. Ils font partie de nos archives historiques. Mais nous invitons ici les croyants à ne plus sanctifier les hadiths et à oser sans avoir peur de personne de les filtrer entre ceux confirmés par le Coran et ceux qui sont en contradiction avec le Coran et ses enseignements. Non que ceux qui ne sont pas en contradiction avec le savoir et la raison affirmés aujourd'hui et devenus universels. Nous insistons à ce que on libère notre intelligence des restrictions inventées il y a 12 siècles par les politiciens qui les ont utilisées pour renforcer leur pouvoir. Nous verrons cela plus en détail dans les prochaines vidéos, Inch'Allah. Pour l'instant, nous vous laissons avec ces données de clarification qui seront suivies par d'autres vidéos avec d'autres détails afin de ne laisser aucun doute que ce à quoi nous vous invitons est en accord avec les enseignements d'Allah et de son prophète. Certains vont insister à nous dire, malgré les détails donnés ici et qui ne laissent aucun doute à ceux qui ont l'intellect saint, voici le prophète qui nous a dit, avant de mourir, qu'il nous aurait laissé 2 choses importantes. Si nous les suivons, après lui, nous ne serons jamais en perdition. Et que ces 2 choses sont le livre d'Allah, soit le Coran et la Sunna de son prophète. Taraktu fikum amrayn in tamassaktum fihima lan tadillu ba'di abada, kitab Allah wa sunnati. À cela, à ceux qui nous rappelleront ce hadith-là, nous répondons comme suit. Retrouvez-nous dans les 6 livres, sources principales de la Sunna, ce hadith, dont vous parlez, et puis nous en parlerons. Les 6 livres sont les suivants. Sahih al-Bukhari, Sahih Muslim, Ibn al-Hajjaj, la collection de Nisa'i, la collection d'Abu Daoud, la collection de Tirmidhi, la collection d'Ibn Majah. Vous ne trouverez pas du tout ce hadith en question. Mais vous trouverez un autre hadith similaire qui n'a jamais été respecté par les compagnons du prophète et qui ne parle pas du tout de sa sunna, mais bien d'autre chose. Et pourtant, ce hadith, ici rappelé, est cité aux croyants dans pratiquement toutes ou presque toutes les khutbahs du vendredi. Pourquoi nous ont-ils menti à propos de ce hadith pendant des siècles? Et qui l'a inventé et pourquoi? Libérez votre intelligence et raisonnez avec, en dégelant vos cerveaux, restez congelés au 7e siècle de l'ère chrétienne. Allah vous a exhorté à plusieurs reprises dans son Coran. Coran 38, verset 9. Ce livre béni que nous avons fait descendre sur vous afin que les hommes puissent méditer sur ces versets et que les doués d'intellect saint en tirent un avertissement. Kitabun anzalnahu ilayka mubarakun. Afin que ceux qui ont l'intellect saint en tirent du Coran, pas du hadith, du Coran, en tirent un avertissement. Donc, il n'y a donc pas de place pour la prétendue sunna du prophète dans ces versets coraniques. Il y a notre exhortation à méditer les versets du Coran et à comprendre leur avertissement si nous avons un intellect saint. Dans les prochaines vidéos, nous verrons pourquoi
Ces recueils de hadith sont nés 200 ans après la mort du prophète. Et à qui ils ont servi, ils nous publieront progressivement les honteux hadiths dits sur le prophète et qui font partie des 6 collections mentionnées ci-dessus et qui représentent la base des recueils de la Sunna. Je vous salue et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, Inch'Allah. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.